Coucou les filles, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la poudre d'Amla. C'est vraiment l'ingrédient principal qui va constituer le masque à pleurs qu'on va faire aujourd'hui. Un masque à pleurs DIY, donc fait maison, qui est assez simple, c'est pas compliqué, ça se fait en même pas 5 minutes. Donc pour celles qui n'aiment pas trop les DIY, vous allez voir, c'est super simple. L'Amla, c'est un petit fruit qui pousse dans les arbres, donc je pense essentiellement en Inde. L'Amla est très riche en vitamine C. C'est un puissant régénérateur qui aide à prévenir la chute des cheveux, qui agit comme un stimulant capillaire, mais qui aiderait aussi à retarder l'apparition des cheveux gris. Mon retour sur expérience, ça fait à peu près 3 ans que j'utilise l'Amla. Je vous dirais que j'ai utilisé tellement de poudre. Et c'est vraiment une poudre qui reste dans mes top 5. Parce que c'est une poudre qui peut être utilisée à chaque semaine. Elle n'a pas un effet desséchant, c'est vraiment une poudre qui est hydratante. Vous allez tout simplement mélanger la quantité de poudre désirée à de l'eau et vous allez prendre soin de bien mélanger pour éviter les grumeaux. J'aime bien ajouter un peu de miel à la préparation, je trouve que ça donne un côté vraiment plus hydratant. Alors voilà le soin appliqué dans mes cheveux. Je voulais juste vous montrer vite fait. Je vais laisser poser ça environ 30 minutes. Deux choses à considérer avant d'envisager de faire un masque à l'Amla. Premièrement, si vous avez les cheveux assez clairs, ça peut tendre à rendre vos cheveux plus foncés. Donc je ne recommanderais pas sur une personne qui a les cheveux blonds. Et deuxième chose, lors du rinçage, si vous avez du mal à vraiment bien retirer le masque de vos cheveux, utilisez un conditioner, vous allez voir, ça va énormément aider à retirer tout ce qui est résidu.